de se passionner de cet animal. Et la famille Hamza demeure ancrée pour la préservation de leurs chevaux. Je possède 21 étalons de race pure sang rabe, barbe et anglais. C'est une passion pour moi et un hobby, le cheval. L'élevage du barbe et du pur sang arabe exige à la fois abnégation et attachement vis-à-vis du cheval. La différence entre le cheval barbe et le pur sang arabe demeure dans sa corpulence, tandis que le pur sang se distingue par son intelligence et sa force. Ahmed Hamza est sans nul doute un homme très tendre avec ses étalons. Et l'on observe qu'au sein de son exploitation, il enseigne déjà à son petit bambin comment monter un cheval. J'aime venir dans le hara pour voir le cheval et le monter. Je veux devenir, quand je serai grand, un cavalier. La course et l'équitation sont bel et bien la vocation du pur sang arabe, qui a une longue histoire au nord de l'Afrique. Dans les régions de Om El Bouaghi, l'amour pour le cheval est visiblement très apparent par l'entretien et la reproduction de ce noble animal.